Hey yo, comment ça va les gars? Pour ma part, ça va bien. Et je pense que vous êtes déjà tous un petit peu suspects en cliquant sur le titre de cette vidéo. Oui, vous avez bien lu le titre. C'est un élément de storyline énorme que je voulais vous partager. Et c'est peut-être plus qu'un élément de storyline. Je vais justifier un petit peu ça plus tard. Mais effectivement, le Shadowman et Richtofen se connaissent. Et disons que c'est pas juste des simples connaissances comme ça. C'est vraiment plus que ce que vous pouvez l'imaginer. C'est vraiment des connaissances, on va dire. Des grosses connaissances, ce sont des amis proches et ça on le comprend à plusieurs reprises durant Revelations, mais même avant Revelations ça nous était teasé sans qu'on le comprenne réellement et c'est quand même quelque chose de plutôt important au niveau de la storyline parce que si vous m'avez dit ça à Zetsubou no Shima ou Dare Eisenrache que les deux personnages se connaissaient, jamais j'aurais cru sachant que le Shadowman c'est le mal absolu et que Richtofen semble être le bien absolu, il veut tout bien faire et... Ça aurait été un petit peu dur d'imaginer vraiment que les deux personnages se connaissent et qu'ils sont de bons amis. Même très très difficile. Également, c'est un élément que vous pouvez ajouter pour le super easter egg. Ça, je vous l'expliquerai dans ma vidéo que je ferai bientôt. Je vais faire une vidéo regroupant tous les indices par rapport au super easter egg, tous les indices gameplay, code, storyline, etc. Et ça peut en être un. Je pense que certains auront déjà compris. Pour ceux qui n'ont pas compris, vous inquiétez pas. La vidéo devrait sortir, je sais pas, peut-être vendredi. On verra bien. Quoi qu'il en soit, je voulais vous parler de ça parce que ça, on l'apprend quand on joue à Revelations que les personnages se connaissent. Et mine de rien, c'est quand même plutôt énorme parce que c'est le Shadowman lui-même qui nous sort cette information en disant la chose suivante. Il dit, en parlant de Richtofen, Richtofen c'est une connaissance, c'est même plus qu'une simple connaissance. C'est mon ami, mon disciple, mon apprenti. Il faisait tout ce que je lui demandais. Il en est même venu à poignarder mon reporter ainsi avant de prendre la clé d'invocation. Et il finit en disant que le Shadowman, enfin, il y a une promesse qui a été faite de la part de Richtofen envers le Shadowman. Il dit, et j'aimerais bien évidemment que Richtofen tienne cette promesse. Donc, à la vue de ce message, ça veut en dire assez long. Donc, déjà, quand ils se sont connus, on n'a pas vraiment d'indication. Ma petite hypothèse, c'est que entre Origins et Shadows of Evil, il y a 2 ans. Et durant ces 2 années, Richtofen est allé faire un paquet de trucs différents, dont chercher le Chronarium, mais plein d'autres trucs. Et on ne sait pas vraiment de qui il a obtenu l'information du Chronarium. Il y en a qui disent que c'est de Monty, enfin, ça vient de Monty, oui, l'information. Mais c'est assez étrange, et il a tellement changé comme personnage, je pense pas que Monty lui a appris tout ce qu'il connaît. Et c'est possible que justement, durant ces 2 années, il ait formé un lien d'amitié plus que fort avec le Shadowman. Ça, j'en serais pas du tout étonné. Donc maintenant, est-ce que ça veut dire que Richtofen est gentil ou pas? On ne sait pas vraiment. Richtofen a fait une promesse au Shadowman. On ne sait pas vraiment c'est quoi cette promesse. Et sachez que cette promesse, ça fait longtemps qu'on nous en parle. Vous savez tous que Treyarch nous a release des trailers Memory. Et dans ces trailers Memory, chacun des personnages parlait un petit peu de leur passé, etc. Et j'en avais fait des analyses de tous les trailers Memory. Mais j'ai mal analysé celui de Richtofen. Je vais vous laisser écouter ce segment et je reviens dessus après. My name is Edward Richtofen, and I have been trying so very hard to do the right thing. Long ago, I made a promise, a vow, to protect him. In order to keep my word, I have done bad things, very bad things. I do not regret the pains that I have caused, because none of it really matters. This moment, this me. All of it will soon be gone. I have lied. I have cheated. I have deceived. All for a purpose you could never understand. I would not change a single thing. He thinks I do not know, but I do. The blood will protect me. Donc voilà, vous avez réentendu le trailer, ça vous a rafraîchi un petit peu la mémoire. Le trailer est séparé, coupé plutôt en 2 segments très intéressants par rapport à ce que je suis en train de vous dire depuis le début. Le premier segment, c'est au tout début, il dit justement qu'il a tenu une promesse à quelqu'un il y a très longtemps. Alors, de la manière dans laquelle il dit... On dirait qu'il n'a pas tenu sa promesse. Enfin, il a promis quelque chose, bien évidemment, mais qu'il ne l'a pas respecté. On n'est pas vraiment sûr, mais il semblerait que justement il ait fait cette promesse au Shadowman
et qu'au final il ne l'a jamais respecté. Donc la promesse c'était quoi? J'en ai strictement aucune idée. Éventuellement pour protéger le Shadowman, je sais pas, parce que le Shadowman il finit par mourir à la fin du secret de Revelations. Bon, on admet qu'il est mort, on l'a pas vu mourir, mais on admet qu'il est mort, et puis ça serait totalement stupide de la part de Treyarch de le laisser en vie. Donc le Shadowman est très probablement mort, et c'est de la faute de Richtofen, mais il va entre guillemets revenir à la vie vu que c'est un cycle. Enfin, sans forcément revenir à la vie, c'est plutôt compliqué la notion de cycle, et je vais pas l'expliquer dans cette vidéo. Donc pour revenir à ce que je disais, la promesse qu'a fait Richtofen au Shadowman, c'est une promesse qui, semblerait-il, devait laisser le Shadowman en vie. On n'est pas vraiment sûr une nouvelle fois. Au début, on croyait tous que la promesse en question, c'était une promesse soit par rapport qu'il avait fait à Monty ou à Maxis, mais au final, on s'est vraiment, vraiment trompé. Et puis le deuxième segment qui est aussi super intéressant, hein, il ne faut pas le laisser tomber aussi, c'est le segment de Richtofen juste après, vers la fin du trailer Memory, où est-ce qu'il prend les flacons de sang en sa main et il dit « Il croit que je ne sais pas, mais finalement je sais, les flacons de sang vont me sauver. » On ne savait pas du tout de quoi il parlait à l'époque de la sortie de ce trailer, Richtofen, mais finalement on comprend. Donc si jamais vous n'êtes pas au courant de tout ce qui s'est passé, que vous n'avez pas vu mon analyse par rapport à la fin du secret de Revelations et à son, comment dire, à sa cinématique, je vous invite fortement à aller voir cette vidéo, elle sera dans la description, il y aura un lien. Allez checker ça, plein d'informations cool pour cette vidéo, mais aussi pour la storyline en général, donc juste allez voir ça. Donc on comprend finalement que, en fait, il parlait de Monty, parce que Monty à la fin est sur le point de les tuer. Et là où est-ce que je vais connecter tous les points que vous pouvez pas imaginer, est-ce que c'est possible que le Shadowman ait tenu au courant Richtofen des flacons de sang et connaissait un petit peu ce sorte de cycle, etc. et lui a dit qu'il faut les flacons de sang pour pouvoir comment vous dire ça, survivre ou pour ne pas mourir tout simplement, et les vraies intentions de Dr. Monty, parce que Maxis ne les a très probablement pas tenus au courant, enfin c'est illogique. Donc il y a juste Maxis et le Shadowman qui peuvent tenir au courant notre équipe et surtout Richtofen de toutes ces informations. Et Maxis, comme je l'ai dit, semble vraiment con et ne semble pas forcément au courant de tout, juste parce qu'il est allé prendre la clé comme un ignorant, voilà, si je peux dire ça comme ça. Et puis voilà, on connaît la suite. Donc il ne reste plus qu'une hypothèse, c'est que le Shadowman connaissait très probablement tout et il a tenu au courant Richtofen par rapport à l'existence des flacons de sang et à leur utilité. Et ça serait une des raisons supplémentaires pour laquelle Monty s'est vraiment, vraiment, vraiment énervé quand il a vu les flacons de sang. C'est, de un, ils n'ont pas leur place dans son univers parfait, mais d'une deuxième manière, c'est très possible que ces flacons de sang viennent des ordres du Shadowman, donc le Shadowman l'a appris à Richtofen leur utilité. Donc c'est super intéressant, honnêtement, je suis pas vraiment sûr de tout ce que je suis en train de vous dire, c'est juste des hypothèses, mais c'est juste, c'est les hypothèses les plus logiques, mais c'est pas non plus garanti comme je l'ai dit. Mais là on sait donc que le Shadowman connaît Dr. Edward Richtofen. C'est plutôt massif pour la storyline, et c'est là que je vais connecter les points une nouvelle fois par rapport à ce fameux super easter egg ou ce super secret ou je sais trop quoi, comme vous voudrez l'appeler. J'ai aucune idée comment ça va se dérouler, pour vous dire la vérité, franchement, et personne ne sait vraiment comment ça va se dérouler. Néanmoins, j'ai vraiment, vraiment, tendance à croire que si on veut briser le cycle, ce qu'il faut faire, c'est, je sais pas, peut-être tuer le Monty ou faire quelque chose d'autre contre Monty. Et j'ai envie de dire que, franchement, à part le Shadowman, je vois pas vraiment qui peut tuer Monty. Je pense pas que Richtofen lui-même va trouver un moyen de tuer Monty ou n'importe qui d'autre dans l'équipe. On a vu Takeo sortir son katana, il est prêt à s'attaquer à Monty dans la cinématique de Secret de Revelations, mais je pense pas que ça aurait fait vraiment quelque chose. Donc est-ce que c'est possible que on est tout dans un twist pour un possible deuxième secret, justement, et qu'on doit faire confiance au Shadowman comme Richtofen avait fait confiance par le passé au Shadowman, et tuer Monty ou je sais trop quoi, ce qui pourrait se passer. C'est vraiment ça la raison pour laquelle j'ai vraiment adoré, déjà que c'est un élément de storyline qui est super intéressant, mais en plus ça colle parfaitement avec l'idée d'un deuxième secret ou d'un deuxième easter egg. Là je suis juste en train de vous donner des petites idées un petit peu folles. Je viendrai au courant avec une vidéo qui sortira un petit peu plus tard dans la semaine par rapport à ce que je pourrais penser par rapport à un autre secret, à un autre easter egg.
Mais il y a toujours une question dans ma tête qui reste vraiment, mais vraiment, comment dire, sans réponse et qui est plutôt importante. C'est si vraiment le Shadowmon et Richtofen se connaissaient et qu'ils s'étaient fait une promesse, pourquoi Richtofen n'a pas tenu sa promesse? Est-ce que c'est possible que le Shadowmon ait fait un coup de pute ou quelque chose comme ça? Et c'est quoi la promesse qu'avait promis Richtofen? On ne sait pas exactement c'est quoi. Donc je me pose toujours ces questions. Mais bon, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est vraiment une information vraiment juteuse. Et puis voilà, comme si ça vous a plu, vous pouvez tabasser ce pouce vert comme c'était le cul de Kim Kardashian. Je disais tout le temps ça avant. Me donner votre avis dans l'espace des commentaires. Moi, je dis ciao, bah, les gars, je vous retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.